toi frangin, j'ai besoin de la place. Putain, mais t'es sérieuse là? Ouais, puis j'ai besoin de ça. Hé, hey, hey, oh hey. Mais non, non. Mais... Maman oh, non. Colin, hey, je veux pas donner la tablette. Vous êtes grand maintenant, débrouillez-vous. Quand on a un petit frère à l'adolescence, c'est méga relou. Il est tout le temps là, à l'affût, il rôde pour t'embêter. Ah, mais ça va pas! Mais non, mais ça va pas! Tu crois que je t'ai pas vu là? Quel relou celui-là! Cher Théo, toi et moi, c'est pour la vie. Je t'aime plus que tout. Ah! Quand t'as une grande sœur à l'adolescence, c'est ultra relou. Elle te prend toujours pour un bébé, elle te donne tout le temps les mêmes surnoms ridicules. Coucou, Colinus qui fait le cul. Bonne journée. Je te mets mon verre, s'il te plaît, il est derrière toi. Ah, ok. Oh, mais c'est un gentil petit garçon, ça. Tu verras quand t'auras mon âge. Bah, excuse-moi la vieille, hein. Ouais. Elle te dit encore les mêmes choses que tu croyais quand t'avais 3 ans. Ah, ça gratte, là, j'ai encore une plaque. Attention, tu vas te transformer en dinosaure. Il y en a marre de ce petit frère, c'est un ventre sur pattes. Allez, merci, bonne up. Hey, enfin, tu peux parler, hein. Tu crois que je le vois pas, le pot de biscuit là qui descend un petit peu plus chaque nuit? Attends, mais ça veut dire que c'était toi la dernière fois? Si t'as le malheur d'arriver en retard à la salle de bain, mais ta journée elle est finie, c'est fichu, c'est oubli. Je vais me préparer. Non, 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 c'est moi d'abord. Non, c'est moi la première. Allez, mais laisse-moi entrer, j'ai juste un truc à faire. Mais c'est bon, j'en ai pour 2 minutes. C'est bon? Oui, oui, c'est bon là, je suis quasi prête. Oh, ça y est, ça fait 30 minutes là déjà. Oui, oui, j'ai presque fini là. Allez, ça suffit, maintenant tu sors. 2 secondes, c'est bon là. Qu'est-ce que t'es relou à pas être patient. J'ai mis à peine 5 minutes. Bon, c'est quand même cool d'avoir un frère. Tu peux te confier. Faut trop que je te raconte, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Théo. Il est mais génial, en plus notre rencontre elle est trop romantique. Il y a ma copine Jessica qui était là. Et en fait, tu vois, il a fait croire qu'il kiffait Jessica au début. Enfin, tu vois, il est vraiment très timide. C'est un mec qui a du cœur. Il m'a regardé comme ça avec des yeux trop mignons. Là, j'ai senti qu'il se passait un truc, tu vois. Tu comprends? T'as une amoureuse, toi? Hein? Ouais. Et alors, ça se passe comment? Raconte. Je veux savoir qui est ma future belle-sœur, moi. Bien. Ouais, c'est tout, ouais. Je sais pas, tu peux me raconter quoi? Je sais pas. Non. Et puis, être l'aîné, ça a du bon, hein. Tu peux commander ton serviteur. Enfin, je voulais dire ton petit frère. Sauf que depuis que t'as le permis, c'est l'inverse, ma cocotte, hein. Maman! Tu peux m'emmener à l'école? Demande à ta sœur, elle a le permis maintenant. Allez, go. Au final, s'il y a des petites tensions, bah c'est un peu normal. Mmh. À l'adolescence, on cherche tous sa place, son identité. Finalement, une relation entre un frère et une sœur, ben, c'est beaucoup d'amour. Oui, puis ce qui est sûr, c'est que les frangins, les frangines, ils seront toujours là en cas de problème. Ça va, ma chérie, je suis trop contente de te voir. On se retrouve, j'espère qu'on sera dans la même classe l'année prochaine. Ouais, disons, t'as vachement bronzé. C'est un frère qui s'est fait mal. C'est trop drôle, regarde. Regarde, que la tête qui fait.